entendu, ça va. Et là, je vais mettre la fraise. Framboise, il n'y a pas beaucoup, donc la quantité, il y a ici un peu de baies de petits, une graine de chia, donc une demi-cuillère, et le beurre d'amande, une cuillère. Donc, ce sera ça pour aujourd'hui. Je vais mettre le lait d'amande. Parfois, je mets un petit peu de banane. C'est pas que c'est friendly, mais juste un petit peu. Donc, voilà. De mes boissons préférées, ici j'ai du café. Vous pouvez utiliser du café, votre café préféré. Donc moi là j'ai le café moulu, je mets des chia, c'est ça, je mets un sachet. Je mets aussi de l'amande. Et de la crème, ben, je ne mesure pas, mais c'est à votre goût. Et j'ai aussi ici différents parfums. Je préfère celui au caramel, mais c'est fini. Donc ici j'ai white chocolate mocha, donc c'est sans sucre, glucide zéro, calories zéro. Donc ici j'ai le parfum chocolat blanc, ici j'ai s'more. Aujourd'hui, je pense que je vais faire chocolat blanc parce que je veux pas. S'more a un parfum assez fort, mais mon préféré c'est vraiment caramel. C'est fini, donc donc aujourd'hui je vais mettre celui-ci. Ça met un petit peu de parfum, la touche que vous voulez à votre boisson. Je mets environ une cuillère. Ça dépend de comment vous voulez ça sucré. Donc je vais donc mettre à rechauffer. Et ce sera ma troisième boisson que j'aime. Voilà donc notre propre chinoki est là et pour donner une allure de resto, on va mettre un petit peu de crème au-dessus. Et voilà. Là, on a notre frappuccino. Super bon. Voilà ma troisième boisson préférée. C'est chaud, très bon en temps d'hiver, de froid. C'est yummy. Une autre de mes boissons préférées, c'est cette boisson verte que je vais faire. J'ai là dedans des épinards et des kale. Et je vais mettre juste un petit peu de fruits. Framboise, et puis j'ai à côté des spirulina pour de moringa. Peut-être que je vais ajouter aussi un peu de chia seed et ça risque d'être amer comme boisson, donc je vais peut-être mettre un petit peu de décorant avec lait d'amande. Et c'est ça, une boisson bien santé pour l'immunité. C'est ça. Donc là, notre boisson verte, j'ai aussi mis l'avocat et un peu de graines de chia. Donc, voilà. Je n'ai pas fait beaucoup, mais c'est pas le bon nutriment.
pour boisson favorite, c'est le milkshake. Allez, on a les milkshakes en français. Les frappés. Donc là, c'est aux fraises. Donc je mets des fraises à l'intérieur et du lait d'amande. Maintenant, on peut sucrer au goût avec du grand keto friendly. On peut ajouter des petites choses qu'on veut. Mais c'est ça aujourd'hui, une boisson simple. On peut aussi mettre quelques glaçons. Voilà. Alors, voilà quelques idées de boissons que vous pouvez faire keto friendly. Il y a une multitude, il y a des centaines, des milliers de recettes sur le net que vous pouvez voir. Vous pouvez faire différentes combinaisons. Vous n'avez pas besoin de mettre toutes sortes de fruits ou toutes sortes de légumes dans une préparation, mais faire quelques sélections et varier en fonction des goûts, de ce qu'on veut avoir. Et c'est ça, donc ça c'était juste pour vous donner des petites idées pour des types de boissons keto que vous pouvez faire. Et là, j'ai partagé avec vous mes préférés. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous donne des petites idées. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. Cheese, santé!